Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Nous sommes au Lazaret Hollandini à Ajaccio pour célébrer les 10 ans de notre chaîne France 3 Corse via Stel et donc dispositif spécial pour pendant le 20h avec au programme une interview de Laurent Simon-Paul, responsable des programmes numériques, son regard sur la chaîne et justement l'évolution numérique. Le débat du soir est animé par le journaliste Laurent Vital autour du thème le service public télévisuel. Et nous poursuivrons avec mon coup de cœur culture, il s'agit de Thomas Bonzi. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, tout d'abord merci pour la confiance. Alors soirée exceptionnelle, vous le disiez, les 10 ans de vie à Stel. Tout à l'heure, aux alentours de 20h30, soirée exceptionnelle. Et vous allez d'ailleurs retrouver bon nombre de visages qui vous sont familiers. Vous-même, on vous retrouvera en deuxième partie pour parler de la télé de demain. Donc je vais essayer de vous soulager un petit peu pour ce pendant le 20h exceptionnel. On va donc parler de la télévision de service public et en Corse, bien évidemment, avec nos trois invités. Il y aura avec moi Marc Deliès-Post, le directeur des antennes et des programmes. Marie-Ange Géronimi, qu'on ne présente plus, chanteuse, comédienne, et Thierry Pard, le rédacteur en chef de l'émission Méditerranéo. Mais tout d'abord, Philippe, on vous retrouve aux côtés de Laurent Simon-Paul. Laurent Simon-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Responsable des programmes numériques dans notre chaîne France 3 Corse via Stel. Vous avez été en charge de la production, vous avez animé également des émissions, notamment une émission de cinéma sur notre chaîne, Mèche Courte, et réalisateur de courts-métrages. France 3 Corse via Stel a 10 ans. Oui. Quel regard portez-vous sur ces 10 ans, Laurent ? Ouf, plusieurs images me viennent en tête. Hein. L'émotion de René Siach le jour où l'Assemblée de Corse vote à l'unanimité. Ce n'était pas si fréquent, un vote à l'unanimité, un soutien au projet. De longues discussions avec l'équipe de direction d'antenne, Sampiro Sanguinetti, Alain Herman et Jean-Jacques Thor pour concevoir des émissions, pour concevoir des idées. Des longues heures, de longues journées de travail avec l'équipe que je dirigeais à l'époque, Albino Buteau, Jacques Lanfranc, Thierry Macari, pour rendre possible ces idées. Et puis le brainstorming avec tous les personnels, les animateurs, les journalistes, les producteurs, les techniciens, pour arriver à concevoir, à produire tout ça. Une effervescence comme on a rarement vécu. Il faut quand même rappeler qu'on a augmenté notre production de 500% sur cette antenne. Une aventure unique, l'enthousiasme des producteurs autour de la chaîne qui ont conçu, qui ont fédéré une filière audiovisuelle, qui puisait aussi dans l'Université de Corse des ressources et qui imaginait des programmes. Et puis la satisfaction de voir émerger de nouveaux talents, de voir des émissions. Vous vous souvenez les débuts, par exemple, de Serra Insem. Avec 6 et demi par la suite. Oui, avec une petite table et quelques fauteuils et quelques tabourets. Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé depuis, mais justement, c'est cette satisfaction-là de voir comment on a gagné en qualité, comment on est arrivé à monter ces projets. C'est la certitude d'avoir participé à une aventure unique. Et Via Stel, là, ça fait partie de mon histoire. Et comme tous les personnels de Via Stel, on fait partie de l'histoire de cette chaîne aujourd'hui. Pluralité des regards, diversité des regards. Ancrage dans la Méditerranée, c'est aussi cela, la singularité de France 3 Corse Via Stel. Hein. Ah oui, vous faites bien de parler de singularité parce que je regarde un peu votre émission et l'autre jour, il y avait l'ancien recteur de l'Académie de Corse qui faisait justement la différence entre singularité et particularité. La singularité rappelle à l'universel alors que la particularité rappelle au général. La singularité, oui, l'ancrage dans le territoire, c'est aussi ça, c'est l'ancrage dans ce territoire, dans cette histoire, c'est cette relation qu'on a avec notre espace, c'est cette relation qu'on a avec notre culture, et quand on dit culture, c'est pas simplement les arts, hein, c'est aussi notre façon de vivre, c'est aussi la relation qu'on peut avoir avec les uns les autres, avec tout ce qui fait notre singularité. Cette singularité, on la retrouve également, évidemment, sur le numérique. Je l'ai dit, vous êtes responsable des programmes numériques sur notre chaîne. Quel espace éditorial entre ce que l'on voit à la télévision, sur le tube cathodique, sur l'écran, et ce que l'on retrouve sur les plateformes? Alors, le numérique, c'est une notion, parfois, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Ouais. Hein. Donc, c'est quand même l'idée de pouvoir donner la possibilité à chacun d'avoir accès à nos programmes, à nos contenus, où qu'ils soient. C'est-à-dire soit devant sa télévision, soit devant son ordinateur, soit dans son lit sur sa tablette, ou soit sur son téléphone portable quand on est au restaurant, ou même au travail pour certains, d'avoir accès à nos contenus. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que l'espace éditorial est vaste,
il est à explorer, à la fois re-exposer nos programmes, à la fois réutiliser aussi des archives, parce qu'on a des trésors, hein, il faut pas oublier qu'avant Vivastead, il y avait France 3 Corse, et qu'on avait un directeur des programmes qui s'appelait André Stéphanage, qui avait initié énormément de choses au niveau de la création, et puis, évidemment, produire aussi peut-être des choses spécifiques au net, à Internet. Oui, c'est ce que vous faites. Hein. C'est ce qu'on fait, on peut parfois faire des lives Facebook qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, où on est avec les gens dans telle ou telle manifestation, on les soutient, d'ailleurs, on est présent aussi ce soir, hein, l'émission est retransmise. En Facebook Live, voilà, en effet. Sur Facebook, et puis toute la soirée sera retransmise en simultané sur Facebook. Alors, je vais donner quelques chiffres, c'est important. On a l'habitude de donner des chiffres pendant le 20h. Alors, ce sont des chiffres qui évoluent évidemment minute par minute, seconde par seconde même, quand on évoque le numérique. 190 000 fans sur Facebook, 3 millions de vues de vidéos par mois, oui. 1 million d'interactions par mois, 2200 vidéos sur la plateforme YouTube, une nouvelle plateforme depuis 2 ans maintenant, où vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions de France 3 Corse via Stil, les émissions de la rédaction et des programmes. Il y a tout ce travail-là qui a été essentiel, qui a été important pour dynamiser la dimension numérique. Oui, alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'internaute participe à l'audience. Vous savez, quand on parle de 3 millions d'interactions, 1 million d'interactions par mois, ce sont des likes, ce sont des partages. Donc l'internaute participe à l'audience et on a un vrai retour de ce qui se fait et on voit ce qui marche moins bien. Encore une fois, ce n'est pas forcément pour faire de l'audimat, mais c'est pour donner la possibilité à chacun d'avoir accès et exposer les programmes le mieux possible. L'audience sociale. L'audience sociale, on a de l'interactivité, on a des commentaires et on a une vraie participation du public. Alors un journal que vous aimez bien, un magazine que vous aimez bien, Laurent, Télérama. Oui. Télérama, ces mots d'Alexandre Brachet. Alexandre Brachet est président et fondateur de l'agence Upian, spécialiste d'Internet, des programmes numériques. Il dit ceci, Internet est un fantastique terrain de jeu pour les auteurs et les créateurs. Internet est l'outil de la relation avec le public et constitue finalement une excellente définition du service public. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, faire un film, faire un clip, faire produire du contenu, produire une émission, c'est beaucoup moins cher qu'avant et beaucoup plus accessible à tous. En fait, donc voilà, c'est cette idée que le public participe aussi à la construction du contenu éditorial. Alors évidemment, il y a des écueils, vous savez qu'on est confronté à la post-vérité, au fake. Et au fake news. D'ailleurs, je vous coupe Laurent, je le dis, on fait un peu de promo. Nous allons proposer une émission prochainement sur le fake news, sur la post-vérité dans Pendant le 20h. Je vous rends l'appareil. Donc voilà, la post-vérité, vous savez ce que c'est? C'est le fait que l'opinion se forge plus par rapport à des croyances que par rapport à des faits. Et donc c'est vrai que tout ça, ce sont les écueils. Mais c'est un champ qui est à explorer encore. On va retrouver Laurent Vital pour un débat autour de la télévision de service public. Cela a un sens sur France 3 Corse via Stil, sur France Télévisions. Évidemment, lorsque vous entendez ces deux mots, service public, vous, Laurent, Simon-Paul. Alors d'abord de la fierté de pouvoir accomplir cette mission, de pouvoir participer à cette mission. Qu'est-ce que c'est? C'est donner à découvrir, donner à penser, mettre en perspective les choses. Rendez-vous compte, nous on a quand même une unité de documentaire, de production de documentaire d'Inde qui est unique, où on produit des documentaires à la fois en langue française, à la fois en langue corse, on fait deux versions. On a exploré comme ça la société corse. On est service public, c'est aussi être une caisse de résonance du foisonnement qu'il y a dans cette île, à la fois sur l'actualité, à la fois sur les débats de société, mais aussi sur le foisonnement culturel. Encore une fois, les arts, il y a une activité démentielle en Corse au niveau de la culture. Et vous les suivez sur le numérique. On peut retrouver d'ailleurs toutes les manifestations, de nombreuses manifestations un peu partout en Corse, sur le Facebook de France 3 Corse via Stil. Et sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube de via Stil, c'est gratuit et vous recevrez une notification. Une notification pour voir les émissions. Et bien sûr. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Laurent, vous êtes en compagnie d'invités pour parler du service public, de la diversité des regards, de la pluralité des regards et de l'ouverture évidemment sur la Méditerranée. Tout cela fait sens lorsque l'on évoque France 3 Corse via Stil. Oui, Philippe, et on va peut-être expliquer aussi ce qu'est le service public. Ben ici, en France, c'est France Télévisions, avec 6 chaînes complémentaires, chacune porteuse d'une identité forte, auquel s'ajoute un réseau ultramarin. France Télévisions peut offrir à toute la diversité du public une programmation riche, ambitieuse et fédératrice. Le socle, je pense que c'est ce qui peut le mieux expliquer la télévision de service public, la télévision publique à la charge d'informer, d'éduquer et d'animer le débat démocratique, tant au niveau national que local et international. Et en Corse,
c'est une spécificité au sein de France Télévisions. Eh bien, c'est Viastil qui assure cette présence. On va en parler de cette télévision de service public avec nos invités. Marc Deliespaosti, bonsoir. Vous êtes le directeur des antennes et des programmes de Viastil. À vos côtés, une figure que l'on connaît très bien ici en Corse et au-delà, Marie-Ange Geronimi, bonsoir. Bonsoir Laurent. D'un des visages marquants de cette chaîne. Et Thierry Pardi, le rédacteur en chef d'une émission emblématique sur Viastil, Méditerranéo, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors je vais commencer avec vous, Marc. Vous l'avez compris, hein, pendant le 20h, même si c'est une spéciale, Philippe le disait tout à l'heure, on aime bien les chiffres. Alors Viastil, pour résumer, si vous ne le savez pas, c'est 7494 heures de programme par an, dont 1531 dans la langue corse, 1050 heures d'infos et de sport. C'est aussi la fiction, 100% corse, dont deux nouveautés à venir l'année prochaine. 200 documentaires diffusés en un an. Côté audience, alors vous me direz si c'est bien ou si c'est pas bien, on a constaté une progression de l'audience entre janvier et mars, c'est une source Médiamétrie, qui donne 6,7% de part d'audience sur la journée pour notre chaîne. Après, bon, quelques cartons, dont le Corticazer avec 46,6% de part de marché, puis une progression entre 12h et 13h et le soir à partir de 18h30. Ça fait beaucoup de chiffres, mais oui, ils sont vrais en tout cas. Ils sont vrais, ils sont justes, est-ce qu'ils sont bien? Ah ben ils sont très bien. On est très content de ce genre de réaction de la part du public parce que ça veut dire qu'on a visé plutôt juste et qu'on comptait sur la curiosité du public en Corse et que ça a bien répondu. Effectivement, il n'y a pas que ça. Votre humilité vous pousse à ne pas en parler, mais les Sapientoni qui passent à 18h30, premier jeu qu'on pense en quotidienne sur Viastel, a fait oui, un vrai carton, il faut bien le dire. Ça marche très très bien. Donc oui, on est très content. Les nouveautés ont rencontré leur public, comme on dit. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, ça veut dire que le service public peut aussi faire de l'audience. Il faut bien le rappeler de temps en temps. Oui, oui, c'est possible, mais vous parliez justement de ce qu'on attend du service public. C'est vrai qu'on en attend beaucoup, hein, à chaque fois, dans tous les débats, on attend voilà, de la culture, de l'éducation, s'emparer des grandes thématiques nationales, internationales, etc. C'est vrai, c'est le rôle du service public, mais en même temps, on en attend de l'audience. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qui vient généralement, c'est « Ah oui, on fait une émission, mais ça ne marche pas très bien, vous savez comment ça se passe. » Dans la presse spécialisée, c'est toujours ce qu'on regarde en premier. Donc c'est une contradiction, mais c'est une contradiction fructueuse, puisque nous, étant dans le service public, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on traite nos publics avec respect, en les prenant pour des gens intelligents qu'ils sont, et bien entendu aussi essayer de faire le maximum d'audience. Donc voilà, c'est une vraie contradiction sur laquelle il faut travailler beaucoup, essayer d'imaginer les programmes les mieux faits, les plus respectueux possibles, et en même temps qui attisent la curiosité, et oui, donc c'est possible. C'est un savant mélange des choses, en quelque sorte. Hein. Ouais, juste à titre personnel, puisque vous avez entamé votre deuxième saison à la tête de l'antenne et des programmes sur Viastel, avant de venir ici, vous portiez quel regard et est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension quand vous avez su que vous alliez venir ici? Alors, il y a toujours un peu d'appréhension quand on arrive dans un endroit où ça fonctionne. Voilà, il faut travailler l'humilité dans ces cas-là et pas arriver en disant ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va tout changer pour marquer de son empreinte le passage. Non, c'est vrai que moi, arrivant à Viastel, je connaissais effectivement beaucoup de choses, pas tout bien entendu, mais je savais surtout que ça fonctionnait. Voilà, qu'il y avait effectivement des gens qui regardaient la télé, beaucoup de gens qui la faisaient, des personnels impliqués, ce genre de choses, etc. Donc surtout ne commencer par continuer, c'était ça la devise. Donc oui, un peu d'appréhension, mais après, quand vous arrivez dans un endroit où les gens sont partants, ça rend les choses beaucoup plus faciles, effectivement. Donc aujourd'hui, ça, vous avez pris vos marques ça, depuis un moment, et ça correspond à ce que vous attendiez, donc? Ça correspond à ce qu'on m'avait décrit, effectivement. C'est la réputation de Viastel, là, dans le réseau de France 3. Vous savez que... Je dis à tout le monde, il y a beaucoup de stations de France 3, bien entendu, en France, c'est que dans les chiffres, on est les premiers en termes de production, en production interne. Donc je savais qu'il y avait une belle réputation. J'ai parlé de spécificité tout à l'heure. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Sur le réseau France 3, Viastel, c'est la seule chaîne plein exercice. Oui, c'est la seule chaîne de plein exercice. Alors, la chaîne de plein exercice, ça veut dire qu'on a des programmes en propre du début de la journée, du début de la diffusion jusqu'à la fin. Voilà. Aujourd'hui, la seule chose que Viastel partage avec sa grande sœur France 3, ce sont les deux journaux, le Unor et le Corsicazera. Voilà, c'est tout. Tout le reste, effectivement, ce sont des programmes estampillés France 3 Corse via Stella. Alors, on reprend bien entendu une ou deux émissions, mais qu'on ne passe jamais ni au même moment, ni au même endroit, ni au même horaire. Voilà. Donc, c'est la vraie spécificité. On est une chaîne unique
en France. Et autre spécificité, Viasté, là, c'est aussi la langue corse. Et la langue corse, je le disais tout à l'heure, c'est plus de 1000 heures dans l'année. Alors ça tombe bien, puisqu'on va en parler à la langue corse à travers le spectacle vivant, le chant, le théâtre, la fiction aussi. Et celle qui pouvait le mieux représenter tout ça, c'est Marie-Ange Geronimi, chanteuse, comédienne, donc comme je vous le disais tout à l'heure, membre de la troupe ou théâtrine. Alors vous avez été de toutes les aventures, hein, du doublage du dessin animé en langue corse, le premier qui a été diffusé il y a quelques années. Bouli. Il y a eu ensuite Les Storti, il y a eu le succès de La Famille Abastachou, il y a eu Casalone, il y a eu Paradisoula aussi. Alors Paradisoula, juste pour parler de mots, c'est quoi ? C'est 6 saisons et une belle aventure. Bah c'est une magnifique aventure, c'est 6 saisons, c'est un décor complètement créé, complètement inventé. C'est des dizaines de personnages qui ont défilé, des personnages récurrents puis des nouveaux. Et puis des personnages qui existent parce que, comme Pastachou par exemple, on devient ces personnages-là dans la rue vis-à-vis par rapport au public. Là aussi, ça a eu un gros succès populaire aussi. Mais complètement. Moi, j'avais le personnage de la cuisinière et je ne comprenais pas pourquoi au début les gens m'arrêtaient en me demandant ce que j'allais faire manger à midi. Je disais, mais. Et en fait, non, c'était par rapport à mon personnage. Et donc, tout en langue corse, il faut le dire aussi. C'est peut-être ça aussi les bienfaits de la télévision. Vision de service public, c'est de laisser cette ouverture et cette médiatisation de la langue. Mais absolument, absolument. Et c'est, cette télé-là, je veux dire, m'a permis, et à d'autres aussi, de faire notre boulot, notre métier, de le faire ici et en langue corse. Ça nous a énormément aidé que la télé nous ouvre cette possibilité-là et s'ouvre à cette possibilité-là de programme en langue corse et de spécificité et de proximité aussi avec les gens. Mais justement, au-delà de la notoriété, la télévision, c'est un vrai facteur de proximité. Complètement. Mmh. Oui, non, mais c'est vrai. Mais à travers la fiction aussi, et puis, mais pas que, à travers le documentaire, à travers le spectacle vivant, à travers des spectacles que nous jouons, par exemple, sur scène au théâtre et qui vont être captés et projetés ensuite. Ben là, belle perche que vous me tendez, puisque demain soir, c'est la première de, vous me confirmez, hein, Marc, je de Arte Vive. Ah, voilà. Alors c'est parce que si l'hôtel Paradisoula a fermé, on va quand même vous retrouver, et dès demain soir, dans un Don Giovanni. Voilà. Eh oui, sur le Don Giovanni, bien sûr. Alors Arte Vive, si on peut résumer ça, puisque ce sont des gens que vous connaissez qui produisent cette émission-là. Un tout petit peu, oui, bien sûr, c'est Pasta Prod qui produit ça. Et donc, voilà, ils ont outre des pièces de théâtrine, hein, ils ont aussi filmé des pièces d'autres troupes et en langue corse et pas en langue corse. Hein. Voilà. Je reviendrai avec vous pour évoquer encore une fois la télé de chaîne Le Public. Bien sûr, mais tout de suite, je voudrais qu'on parle de Méditerranéo. Méditerranéo, c'est un magazine qui a été créé en 1995, déjà, par la RAI. Hein. Elle devient une coproduction transfrontalière en 1997. Et puis, 22 ans plus tard, Thierry Pardi, vous en êtes le rédacteur en chef. D'ailleurs, depuis pratiquement 10 ans, à la naissance de Viasté, là. Oui, effectivement, depuis 9 ans et demi, 10 ans, effectivement. Et je dois dire que... À l'époque, Méditerranéo a été effectivement créé par la RAI. Et c'est Sampiero Sanguinetti qui était à Marseille à ce moment-là, donc en poste en région PACA, qui a eu l'idée en rencontrant, je dirais, les responsables de la RAI de l'époque, d'en faire une coproduction. Et donc, avec France, avec FR3 à l'époque, et la RAI, donc Méditerranéo est devenue une coproduction internationale, puisque la rédaction centrale, au départ, était installée à Palerme. Voilà. Alors, j'ai un petit côté chauvin hein, qui transpire de temps en temps. Je sais que Méditerranéo, outre le fait qu'on nous connaît en Italie, au Baléares, on nous connaît aussi dans l'Europe grâce à TV5. C'est une des émissions de la chaîne, d'ailleurs, qui est diffusée sur TV5 Europe. Oui, voilà, cela nous donne, je dirais, une fenêtre supplémentaire très importante, puisque au-delà de la Corse, de la région Provence-Côte d'Azur, qui diffuse Méditerranéo chaque semaine, TV5 également diffuse le magazine le jeudi matin, à 8h45 après Télématin, et également le samedi un petit peu plus tôt. Et ça fait bien une vingtaine d'années hein, que TV5 nous suit dans cette aventure. Et ça permet, bien entendu, au magazine de se développer.
Juste pour dire qu'il y a un vrai savoir-faire ici en Corse, capable de produire un très haut niveau. Voilà, il faut le dire. Moi, je le dis peut-être à votre place. 22 ans plus tard, est-ce que c'est toujours la rencontre, aller à la rencontre des Méditerranéens? Est-ce que c'est toujours montrer la réalité des pays voisins? Oui, parce qu'en fait, la Méditerranée, on s'en aperçoit encore plus hein, depuis ces derniers mois et depuis ces dernières années. La Méditerranée, elle est au centre de tous les conflits, mais aussi de toutes les évolutions de ce siècle. Il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui, l'actualité internationale. Elle est la plupart du temps cristallisée par les problèmes qui se posent en Méditerranée. Pas seulement politiques et économiques, mais également environnementaux et culturels. Marc, c'est ce qui fait aussi la diversité de cette chaîne, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher du divertissement, mais on peut aller aussi chercher des questions de fond, des problématiques au niveau de la Corse, bien sûr, mais toujours ouvert sur la Méditerranée. Ça, c'est l'ADN de la chaîne, hein, depuis le départ. C'est d'être, bien entendu, ancré, les pieds bien ancrés en Corse, mais en ayant le regard porté sur l'environnement immédiat, c'est-à-dire la Méditerranée. Et il faut que la Corse y joue un rôle, bien entendu, donc nous, il faut qu'on puisse s'y porter. Il n'y a pas que Méditerranée, bien entendu, puisque maintenant il y a les carnets de Méditerranée depuis quelques années. Il y a Isulani, qui est donc une émission aussi mensuelle qui porte son regard vers les îles proches de Méditerranée. Il y a aussi beaucoup les documentaires faits par Dienti qui posent leur regard sur des problématiques méditerranéennes. L'an prochain, par exemple, sur le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, on aura deux documentaires qui sont en tournage en ce moment. Donc bien entendu, hein, le regard doit être panoramique. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la culture, bien entendu, il y a l'émission à laquelle nous sommes en train de participer pendant le 20h, qui est aussi une belle innovation à ce niveau-là, puisqu'il y a des problématiques aussi méditerranéennes d'actualité vues à travers la culture. Et ça, c'est quand même un beau pari aussi. Et avec une liberté de ton aussi, il faut le souligner. Voilà. Oui, on essaie d'être libre, indépendant, mais ça, c'est tout le service public. Et c'est un principe de base. Non, mais il faut le dire aussi de temps en temps. Petite question un peu difficile. Tous les trois, puisqu'on parle du service public. Alors pour certains, c'est peut-être abstrait. Donc j'ai envie, en quelques mots, pour conclure, parce que vous savez que pendant le 20h, il y a une tradition, on doit conclure en 40 secondes. Je vais vous donner un tout petit peu plus. Si je vous dis, et je vais commencer avec vous, Marc, merci. Le service public pour vous, c'est quoi? En plus, c'est une question tellement précise, 40 secondes, ça suffit largement. Le service public, c'est quoi? C'est essayer de parler à tous, sans exclusion, vraiment sans aucune exclusion, sans tabou aussi, et d'essayer de le faire dans le respect le plus absolu de chacun. Et aujourd'hui, sur tous les écrans possibles et imaginables, puisque je ne vous apprends rien, l'écran télé, c'est toujours quelque chose qui occupe la vie de tous, mais ça l'est de moins en moins, puisqu'on a Facebook, les écrans connectés, etc. Donc d'essayer de faire en sorte, Laurent vient d'en parler au début de cette émission, de faire en sorte que tout soit disponible pour le plus de public possible. Puis je voudrais rajouter que le service public en Corse a pris de l'avance, parce qu'il y a bon nombre de chaînes privées maintenant qui s'intéressent aux régions et qui veulent construire des chaînes identitaire, régional, etc., un petit peu partout. Donc on a 10 ans d'avance, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mal. Faut pas s'endormir, mais c'est bien. Déjà. Marie-Ange, la télé de service public pour vous? Il a dit en fait tout ce que je voulais dire, donc... Non, ma. Alors elle a dit in corso, bougez-vous. Ah, ecco. La télévision est servie du bubigo, infatti, et ce qu'elle a dit au monsieur de Guesposte Aiguille à un moment, quand même. Diedinou, service du pubblico c'è pubblico e diedinou parla au pubblico di fare che li interessano, che li soprimo rosi e come l'avete detto coavizione cu eseriegano vegiamo cu spedagolo vivo guarte vivo cu i documentari tutto ciò che face a vita e a gorsi che hanno una specificità e non mediterraneo di noi e che ci può dare a noi comedianti a voi giornalisti a voi i mesi di esprimersi non tanto al servizio e forse la continua così le mot de la fin avec vous Thierry, vraiment rapidement et en quelques mots, la télé de service public pour vous? Je dirais rapidement que la télévision de service public, c'est une télévision qui ne montre pas au téléspectateur ce qu'il veut voir, ce qu'il a envie de voir, mais qui lui donne aussi des clés pour comprendre, mais aussi pour voyager, pour rêver.
Belle conclusion, Thierry. On sent le vrai professionnel. Bon, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais que, et moi je vais retenir ça de cette soirée, c'est qu'on peut proposer encore de très très belles choses et ça va continuer. Soirée spéciale, donc si vous nous rejoignez, les 10 ans de VST, là donc pendant le 20h, un peu particulier. Il a été préparé par Philippe Martinetti et Albino Buto, et aux manettes ce soir, il y avait Paul Luciani. Je voudrais les remercier pour leur confiance. La soirée continue tout à l'heure, émission spéciale, je vous le rappelle, ça risque de durer jusque très tard. Soyez au rendez-vous. Il y a des surprises et puis des visages qui vous sont forcément familiers. Et puis en deuxième partie, on retrouvera Philippe Martinetti, d'où ma présence ici ce soir pour le soulager un peu de Pendant le 20h. Mais Philippe, vous n'allez pas y échapper parce que le vendredi, c'est une tradition dans Pendant le 20h. On parle de culture. Il y a cette fameuse touche de culture. Et là, pour le coup, je vais vous passer la main parce qu'on va vous retrouver avec Thomas Bronzini. Oui, pour mon coup de cœur culture, Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Il suffirait de presque rien. Ah oui, peut-être 10 années de moins. On y est sur les 10 ans. Eh oui, ça y est. 10 ans, François Corse via Stel et Serge Reggiani. C'est celui-là mon coup de cœur. Thomas Bronzine qui investit le répertoire de Serge Reggiani. Oui, une belle aventure. Merci de nous le rappeler, de le souligner. Une superbe aventure où on a réussi à rendre hommage à cet artiste que nous aimons tant, à ce bonhomme, à ce comédien, à ce chanteur, à cet homme engagé aussi. Et nous avons essayé de venir lui faire un coucou et puis aussi de prendre le plaisir de chanter son répertoire. Parce que je vous le dis franchement, égoïstement, c'est un vrai plaisir. Ouais. J'imagine. Juste pour qu'on comprenne bien, parce que oui, c'est tellement colossal, Serge Reggiani. Mmh. Il y a eu de l'appréhension. Alors, il ne s'agit pas de singer. Vous ne le faites pas sur scène, clairement. Il y a l'idée de réinterpréter, d'investir totalement son répertoire. Oui, alors la difficulté, bon, il n'y a jamais eu d'appréhension parce que justement, comme vous le disiez, on n'a jamais essayé de l'imiter, de s'en approcher. On a juste voulu rentrer dans son univers et puis prendre du plaisir. On s'est dit que si on prenait du plaisir, on allait peut-être en communiquer. Donc, il n'y a pas eu cette appréhension-là. La seule appréhension, ça a été d'être assez respectueux, d'avoir assez de distance, bien sûr, mais surtout... ça a été la difficulté d'éliminer certains morceaux et d'en sélectionner d'autres parce qu'on ne va pas dire qu'on les aime tous parce qu'il y en a qui nous plaisent plus que d'autres, mais il y en a vraiment qu'on aurait aimé garder dans l'aventure et puis il fallait faire un choix, donc on a fini par le faire, mais difficilement. Voilà. Alors il y a également, Laurent l'a dit, RTV qui est diffusé demain, vous y participez oui. Thomas, et vous avez dit ceci sur RCFM, nos confrères d'RCFM, vous avez évoqué une expérience théâtrale totale. Je m'en souviens plus. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, je m'en souviens plus. Non, je plaisante. Une expérience totale. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui est jouée en Corse, qui est jouée, dansée, chantée, ça frôle parfois même la comédie. Et donc oui, en ce sens, c'est une expérience totale. On sort de cette pièce, je peux vous le dire, pour les répétitions et les représentations, on peut rayer son abonnement à la salle de sport parce qu'on perd, du poids, on fait du sport. On est engagé, c'est un véritable challenge. Et j'ai adoré participer à cette pièce. Autre challenge. Oui. Il est dans quelques minutes. Ah. Sur scène. Oui. Ici. Il paraît. Au Lazare Landing. Ne me le rappelez pas parce que j'ai une pression énorme. Oui, effectivement. Donc il paraît. Je ne sais pas. J'ai reçu un coup de fil. Je vous le dis. Mais de qui ? Écoutez, j'ai reçu un coup de fil de Fanfantor. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un petit peu. Mais un petit peu quand même. Et Fanfan m'a dit, écoute, on a pensé à toi pour être le maître de cérémonie de cette soirée anniversaire des 10 ans de France 3 via Stel. Et je dois reconnaître que ça a été un coup de massue parce que, bien sûr, je suis flatté, mais ce n'est pas du tout mon registre. Moi, je pensais qu'on m'appelait pour chanter. Mais vous allez le faire. Enfin, on va pas spoiler. Je sais pas. En tout cas, je vais tout faire pour chanter. Je vous le dis. Je sais qu'il y a des artistes. Je sais que je vais les présenter. Je vais animer cette soirée avec des journalistes, des producteurs, et on va parler de toute cette aventure et on va célébrer cet anniversaire. Mais par contre, bon, j'espère. Ne le dites pas trop, mais j'espère qu'à un moment donné, j'arriverai à chanter. Voilà. Il faut que je puisse le faire, quoi. Mais je crois que c'est indispensable, cher ami. Je vous remercie.
Hâtez-vous, hâtez-vous. Mince, je suis en retard. Je pense. Mais alors, par contre, retrouver. Ah oui, vous vouliez voir comment voilà. Les fiches. Comment fonctionnent les fiches, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Du faux A4, enfin, vous verrez. D'accord. C'est assez simple, en fait. Bon, je vous remercie. On va vous préparer tout ça. Je me hâte. Merci beaucoup. Merci, ciao. Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Laurent Vital, évidemment, qui a animé ce débat autour de missions de service public. On va retrouver Laurent Vital dans Pendant le 20h régulièrement. Il est l'un des débatteurs de Pendant le 20h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir en compagnie de Faustine Marie pour un débat en deuxième partie de soirée. Quelle télévision demain, avec le sémiologue François Jost, l'artiste, vidéaste Pierre Gambine, la rédactrice en chef de notre chaîne Sylvie Aquavive. La soirée se poursuit évidemment avec Thomas Brandine et tous ses invités. Thank you.